On est parti pour la mise en beauté de la charrette macabre. Alors, le travail que j'ai fait à l'aérographe sur l'arrière, en fait, s'avère plus ou moins inutile. Alors, plus ou moins inutile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien l'impression qu'au final, je vais juste tout recouvrir. Parce que j'ai besoin on va dire, d'une autre tonalité, en fait. Donc on verra, mais je pense pas que ce que j'ai fait à l'aérographe se ressente en vrai. J'ai la chance d'avoir les impressions des planches sur le côté qui sont plutôt bien ressorties. Et du coup, je pense que je peux les utiliser. Ce qui veut dire que, en peignant les planches, il faut que j'évite à tout prix de coller de la peinture dans les creux. Et pour obtenir la teinte que je suis en train de repasser là, pour obtenir la teinte, en vrai, j'ai fait une tentative d'utilisation d'un truc que j'utilise pas souvent. Je me suis acheté des marqueurs à l'encre, à l'alcool, de tout un tas de coloris différents. Et je dois avouer que j'ai pas encore eu l'opportunité de les tester. Donc j'en ai utilisé pour voir si j'arrivais à modifier la teinte du bois. Et le fait est que oui, ça la modifie. Mais comme c'est de l'alcool, en fait, ça a une espèce de fini brillant que vous pouvez voir, qui est pas fou. Qui est pas fou. Et du coup, je sais pas trop bien pour. Pour quel usage je vais pouvoir les utiliser. En tout cas, ça a l'air bien plus limité que ce que j'imaginais. Bon, après, c'est ultra transparent, c'est-à-dire que même si je prends une teinte qui en apparence est claire, elle va de toute façon rendre foncé si le fond est foncé. Mais je pense qu'à certains endroits, à certains moments, pour certaines utilisations, ça doit parfaitement pouvoir trouver sa place. Il faut juste que je trouve lesquelles. Alors, j'ai une petite idée en tête. Je me demande s'ils ne seront pas parfaits pour faire des bannières. Pour faire des bannières ou alors pour faire des free-hands. Alors, il faut que j'essaye de me calibrer pour pas sortir de la caméra, ce qui est pas évident. Je viens de revoir l'installation en fait, tout ce qui est caméra et tout ça. Et je suis pas encore, alors je suis pas encore habitué au nouvel emplacement. Et surtout, je sais pas jusqu'à quel point il va pas falloir que je modifie ce nouvel emplacement. Donc heureusement j'ai un retour caméra pour vérifier ce qui est à l'écran. Voilà, ce qui m'aide par exemple à voir que là j'ai beaucoup bougé. Je pense qu'il faudra de toute façon que je passe deux couches. J'ai beaucoup de mal à arriver à rattraper
le brillant du marqueur à alcool. On va l'appeler comme ça. On va les appeler comme ça, les marqueurs à alcool. Et je serais vraiment ravi de leur trouver une vraie utilisation parce qu'il y a quand même une. Il doit bien avoir une centaine de teintes différentes. Je trouverais vraiment très dommage de devoir m'en passer complètement et que ça soit complètement useless. Alors, ça ne m'a pas coûté cher, hein. Ils m'ont vraiment pas coûté cher. C'est pour ça que je me suis littéralement jeté dessus. Les peintures low cost que j'utilise sont toujours aussi pauvres en pigments. Elles ont toujours, quand on tire trop dessus, elles ont toujours ce côté ultra transparent au séchage. Il faut quand même avoir un pinceau assez chargé. Sinon, le résultat sera absolument invisible. Et là, j'ai un pinceau limite trop gros pour l'exercice. Alors, pas besoin que je m'excite trop là où il y a le siège du conducteur, parce que la figurine va s'asseoir dessus. Donc on va juste faire en sorte qu'il y ait la teinte. C'est l'idée globale. On va pas oublier. À l'arrière de la carriole, ici. Je sais pas si on voit bien. Hop là, voilà. Ici, là, à l'arrière. On a les planches qui font un retour qui est visible. La brillance a commencé à se casser, ce qui est très bien. Ce qui est les faire chercher. Je vais en profiter. Alors, je vais en profiter tant que j'y ai accès. Voilà. Ici. Et la même chose de l'autre côté. Et je vais essayer. Même si à mon avis il faudra que j'y retourne plein de fois, c'est certainement le moment d'aller faire la barre transversale d'attelage en essayant si possible de ne pas niquer la robe des chevaux. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Et je vous dirais même que pour l'occasion, on va sortir. Un double zéro. Et avec le double zéro. Chercher, c'est pas évident voilà, pour ce coup-là.
Je pense pas que j'arriverai vraiment à me faufiler entre. Ça m'étonnerait. Non, parce que je commence à attaquer la robe du cheval. Donc on fera la jonction, je pense avec de l'encre. À moins que si je dilue vraiment beaucoup. Si je dilue vraiment vraiment beaucoup. Hop là, bon ça va. On a réussi à passer entre les robes. L'encre se faufilera bien mieux. On peut laisser tomber le double zéro. Et là, je suis avec du. Avec du 2. Du 2 quand même, parce que faut couvrir de la zone. Ok. On va pas oublier le côté ici. Et l'autre côté. Voilà. Sur le papier, on a fait la séparation. C'est visible depuis devant, c'est visible depuis derrière. On va pouvoir passer en mode éclaircissement. Il est un peu trop. C'est pas un pointu. Pas le bon pinceau. C'est pas un pointu. Voilà. Ça, c'est un rond. C'est ça que je veux. L'autre était un pinceau avec un pinceau flat. Un pinceau avec une arête plate. Les éclaircissements sont finis. C'est dommage que les planches ne soient pas assez profondes. La profondeur des interstices entre les planches aurait été plus grande, ça aurait été encore plus simple. Mais bon, on va faire avec. On va juste prendre une encre verte. Voilà, et on va venir passer par-dessus.
comme ça. On va le faire ici aussi. Voilà. On va faire l'arrière. Le but, c'est pas d'insister. Parce que si vous insistez, il y a une chance sur deux pour que vous raviviez la peinture. Et c'est pas ce qu'on cherche. On insiste un peu lourdement sur le siège parce qu'on veut de l'encre dans les creux pour faire les ombres. Et c'est le moment. Où on va laisser l'encre faire son taf. Et voilà, elle est passée entre les robes des chevaux. Hop là. Et on laisse sécher. On reprend ça a séché, ça a certainement séché, on va dire. J'ai deux possibilités, soit je m'attaque au doré, soit je m'attaque aux ossements derrière. Et je dirais en regardant que ça serait plus malin de faire les ossements d'abord. Quand j'ai appris à peindre, il y avait des cours de peinture. Quand j'ai appris à peindre, on m'a toujours appris à peindre d'abord ce qui est en dessous et ensuite ce qui est au-dessus. Autant dire que dans le cas présent, je vais avoir plus de facilité à aller peindre les ossements. Et si je fais des faux mouvements, je vais déborder sur le noir et je mettrai du doré derrière. Que l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait le doré, ça sera plus risqué d'aller faire les ossements qui seront à l'intérieur. Va falloir que je nettoie mieux mes pinceaux que ça, apparemment. C'est pas grave. Ossements. Alors, je vous avouerai que techniquement, les ossements, j'ai pas encore bien établi comment. Voilà, j'ai pas de comment les peindre. J'ai pas de routine en fait. J'ai pas encore de routine à ossements. Donc je vais faire juste du marron avec beaucoup de jaune et beaucoup de blanc comme couleur de départ. Et ensuite j'éclaircirai avec jaune et blanc, sans marron. Et pour terminer, du jaune ultra clair et du blanc, très certainement. Allez, pour l'instant, on va essayer d'obtenir un mélange qui nous parle. Allez, on a une teinte. On va commencer par noyer un peu tout ça, en fait. Il y a des reliefs, mais je pense que les reliefs, je les ferai ressortir avec de l'encre. C'est un tas d'ossements.
Donc il y en a au-dessus, il y en a au-dessous. Je garde une peinture assez sèche. J'ai pas mis d'eau dedans, histoire que ça rentre pas dans tous les creux de manière systématique et de pouvoir conserver une petite partie sombre. Un peu naturellement. Voilà. Même si je sais bien que de toute façon derrière il y aura de l'encre et que ça sera renforcé. On va essayer de ne pas toucher le couvercle du cercueil. On va essayer de ne pas toucher les parois du char. On est presque dans du brossage à sec, sauf que la peinture n'est pas si sèche que ça en fait. Alors là, il y a une partie un poil complexe. Il faut que j'arrive à glisser le pinceau. Que je bouge tout doucement. Là aussi, vous voyez par exemple, là je viens de toucher le bord sombre à deux reprises, donc c'est très très bien que j'ai commencé par les ossements. Ma logique se tient. Alors, on cherche pas à aller dans la couvrance absolue, c'est censé être le bordel. Où est-ce que c'est pas assez marqué? C'est pas assez marqué ici. Voilà, on a une bonne idée de bordel, une bonne base de bordel en fait. On va rester très très simple. Je vais pas essayer de faire différentes tonalités de d'ossements. Voilà, je veux juste une masse compacte. Je veux juste une petite masse compacte. J'espère que ça aura séché. Le temps que je prépare mon jaune clair. Sur le pinceau. Parce que là, par contre, clairement, il faudrait que ça reste vraiment, vraiment sur le. Faudrait que ça reste vraiment sur les arêtes. J'ai pas beaucoup d'espace de jeu, ça veut dire qu'il faut que je crée le contraste très vite. Voilà, on a un début. La peinture commence à bien sécher, donc j'ai peu de temps pour agir, mais c'est en même temps très pratique. Alors, je vais peut-être refaire un peu de mise au point. Voilà. Et maintenant, je dirais qu'on va mettre du blanc. On va mettre du blanc, beaucoup de blanc, sur la base de jaune qu'on a fait. Et vraiment, vraiment, on va aller juste chercher les reliefs.
tout petit peu de jaune dans mon blanc. S'assurer qu'il est bien sec. Parce que là, on est vraiment dans du brossage. C'est pas mal. J'aime pas trop terminer les trucs au blanc pur. Mais c'est très dur d'arriver à teinter le blanc un tout petit peu. Pour qu'il soit plus blanc, mais quand même super blanc. C'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de chance de terminer juste au blanc et c'est trop désaturé à mon goût. Et je vais pas aller chercher sous le. Ou alors un tout petit peu. Vraiment sur les arêtes. Mais sous le cercueil, c'est sombre. C'est censé être sombre. Donc si je commence à faire des éclaircissements sous le cercueil. Écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Hein, ça ressemble à ce que c'est. Je vais peut-être même pas mettre de l'encre. C'est pas non plus un moyen magique, l'encre. Il y a des moments où il n'y en a pas besoin. Seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux corps, les deux zombies éclatés qui sont dans la charrette, avec la même technique que j'ai utilisée pour préparer ma troupe de zombies. Elle devrait fonctionner, c'est-à-dire que. On va prendre de la couleur chair claire banale. Et c'est aussi là que je me rends compte, petite interruption rapide, il y a un jus blurb à côté du zombie. J'ai pas traité. On va traiter vite fait. J'attends que ça sèche et je repasserai au blanc par-dessus. Pas très heureux. Il est pas très heureux. Je n'ai pas mis assez. C'est de la couleur chair de pas bonne qualité. C'est de la couleur chair craft paint. Hein. D'où son petit côté. Super transparent, mais en fait, on va juste l'utiliser à notre avantage. Et ça permet, en choisissant de repasser une deuxième couche ou pas, d'arriver à créer des débuts de dégradés qu'on va exploiter par la suite. Voilà le début pour celui du dessus, et alors celui du dessous, ça va être une autre paire de manches, mais il faut pas que j'essaye à tout prix de le faire en entier, parce que sinon je vais mettre des taches partout. On va juste aller chercher les reliefs.
Maintenant que ça a un peu séché, on va sortir le mélange magique, le fameux mélange magique marqueur indélébile qu'on laisse infuser dans de l'alcool, pendant que le chat hurle et qu'il va se prendre une chasse au bout d'un moment. On prend un pinceau qui craint pas beaucoup. Attention, le chat, prépare-toi. Tu vas te prendre une chasse. Et on va passer par-dessus. Voilà où, ce que ça donne. Et on fait assez brièvement son poteau en dessous. On fait attention à ne pas toucher trop ce qu'il y a autour. Et on laisse sécher. Retour à nos occupations. C'est plutôt sec. Je me suis occupé en faisant l'aisselle en attendant. C'est bizarre dit comme ça d'ailleurs, l'aisselle. Mais bon, maintenant, il va s'agir avec un tout petit pinceau. Suffisamment solide et une peinture pas diluée du tout, il va s'agir de faire ressortir les arêtes saillantes. Et on va faire pareil avec son copain. Et si possible, sans trop forcer, parce qu'il est vraiment à l'ombre. Ok. Voilà, comme ça, on les voit bien. Ils se distinguent du tas d'ossements. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Les orbites sont un peu colorées. Je dirais pas non. Je dirais pas non à rajouter la noirceur dans les orbites. Et pas avec de l'encre. Parce que je veux vraiment pas que ça bave autour. On va juste prendre de la peinture noire. Mais vraiment super super peu. Voilà, on va venir la déposer dans les orbites.
Et on va venir avec un pinceau mouillé enlever ce qui aurait éventuellement débordé. Et je me demande, tant que j'ai ce tout petit pinceau entre les mains, je me demande si je pourrais pas en douce, au moins sur celui du dessus, voyez, faire, je sais pas si ça se voit, faire une espèce de regard. Car après tout, les corps qui sont là, ils sont faits pour revenir à la vie. Allez, il est temps de transformer un peu tout ça. Je vais utiliser une base de noir que j'ai mélangée avec cette sale couleur dorée du tube dégueulasse. Parce que je ne pouvais pas me résoudre à balancer le tube sans rien. Donc je me suis dit, tiens, tu vas la mélanger à du noir pour lui donner un peu de consistance et ça servira de base quand tu feras du doré. Donc j'ai pompeusement appelé ça de l'or sombre. C'est bien évidemment ultra liquide puisque le doré était complètement liquide. Mais je trouve qu'au final, ça remplit assez bien son office. Puisque ça a une grosse capacité à se répandre. Et ça apporte un peu cette première couche de pigments dorés. Qui me permet ensuite de le mélanger simplement à du doré et d'obtenir un truc pas dégueulasse. Les deux crânes qui sont devant sont faits en argile avec des moules que je me suis imprimé en 3D. Vraiment très pratique. Et au départ, j'étais un peu parti sur le côté crâne, vrai crâne quoi. Puis je me suis dit, ça serait peut-être bien d'en faire des ornements donc métalliques. Comme si tout ça appartenait au décorum de la calèche et non pas j'ai posé deux crânes de manière symétrique. Parce que je suis un obsessionnel du rangement. Voilà, on commence à avoir une petite idée du rendu final. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Ça va, je m'écarte pas trop. Si j'avais su comment faire, très honnêtement, j'aurais tenté de faire un bois un peu blanc. Un bois un peu clair, mais je suis pas assez doué pour ça. J'en ai jamais fait. J'ai une conception du bois assez basique, hein. Faudrait que j'arrive à trouver comment faire des teintes de bois un petit peu sympa. Ça changerait. J'ai un vague souvenir de tuto sur le sujet. Mais tous les tutos que je trouve sur internet ne s'adaptent pas à ma spécificité. C'est-à-dire que moi, c'est sur de l'impression 3D. Ça veut dire que je ne peux pas vraiment compter sur des reliefs hyper présents. Il faut que j'invente un peu la texture. Et deux, les mecs font ça avec, pas avec des craft paint à la con, ils font ça avec des vraies peintures qui tiennent bien. Donc une bonne partie des techniques qu'ils montrent, moi je peux pas les faire. Je peux pas les faire parce que la peinture pas chère, elle réagit pas du tout comme la vraie bonne peinture où tu vas passer un coup de pinceau et les pigments vont rester en place et c'est magique quoi.
Donc en général, il faut que je parte de leurs idées qui ne sont pas mauvaises. Il faut que je trouve quelle déclinaison va s'adapter à mon cas, quand c'est possible. Parfois, c'est juste pas possible. La base en or sombre est terminée. Je vais pouvoir mélanger de l'or tout à fait normal à cette couleur. Ça va conserver le côté liquide, mais par contre, ça va vachement l'éclaircir. Et on va pouvoir faire ce qui s'apparente à la vraie base. Voilà, on n'est pas trop mal. Le seul truc auquel il faut prêter attention, c'est les petits barreaux qui sont là. Il faut arriver à faire le barreau sans entièrement le recouvrir de peinture. Il n'y a pas beaucoup de surface. Voilà, et je le fais en dernier parce qu'il vaut mieux attendre que la peinture soit bien sèche. On insiste un peu sur ce qui est très haut perché. On profite pour faire reluire un peu le haut de l'urne et pas le bas. Hein, ça commence à créer une espèce de distanciation. Voilà, là on est pas mal au niveau du rendu. Il faut pas oublier la décoration des roues. J'ai décidé de faire les roues en bicolore avec le soleil dans ce ton doré et la roue en elle-même en argenté acier plus costaud. Je trouve ça plus cohérent qu'une roue de carrosse pleine, soit dans un bon gros métal et pas en mode ornementation en dorure. Et bien évidemment, la touche finale des touches finales, doré, doré pur. Mais alors là, doré pur, je vais ranger ce pinceau-là. Je vais dégainer le pinceau complètement pété parce que on part dans du brossage à sec. Sur le haut des crânes. Sur les pointes. Où est-ce que je vais en vouloir? Si j'arrive à faire juste le rayonnage, voilà, très rapidement le rayonnage. Faut pas trop insister. Et de manière assez globale, tout ce qui peut être arête. Elle rend pas mal l'urne, je suis assez content. Je sais pas si. Voilà, c'est pas un peu sorti de la cam, mais.
assez content du résultat. Corne arrière est un petit peu palichotte, alors j'ai un peu insisté. Ici l'angle arrière et l'autre angle arrière. Voilà. Ok. On y est, on y est, on y est, on est pas mal, on approche de ce qu'on voulait.